Good morning, Aliden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai ben Israël Nathani Dvorah Bat Esther et Moshe Michael ben Aline Bechla Rachel. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, vous pouvez contacter sa communauté éternelle. Nous avons un certain nombre de projets de Zayin, Mishnah Hei. Afilu Shama Min Hanashim Omrot Met Ish Ploni. D'ailleurs, Rabbi Yehuda Omer, Afilu Shama Min Hatinokot Omrim, Aranu Olchim Lispod Ligbor Et Ish Ploni, Ben Shu Mitkaven, Ben She'enu Mitkaven. Rabbi Yehuda Ben Bava Omer, On continue à parler dans nos Mishnayot du niveau de crédibilité sur lequel on peut se fonder pour permettre une femme, soit selon la Torah pour une femme que son mari a disparu, porté disparu, elle ne peut pas se remarier selon la Torah. Parce que dans la mesure où il n'y a pas deux témoins cachers qui viennent témoigner qu'ils ont vu mort, eh bien, on reste sur le fait qu'elle était censée être vivante. Et donc, du coup, ça pose plein de situations très complexes. Et Chachamim ont un petit peu allégé le problème en donnant la crédibilité à même un seul témoin, mais à la condition qu'il témoigne, alors ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, c'est qu'il témoigne d'une situation, c'est sûr qu'il est mort, ou bien c'est sûr qu'il est dans une situation où c'est sûr qu'il va mourir. D'accord? Comme on avait évoqué que Maïm Shech Lem Sof, Maïm Shech Lem Sof, on est sûr qu'il n'est pas sorti de l'eau, il a passé plus que 3 jours, plus que 3 heures, il y avait toutes sortes de situations. Il y a maintenant dans notre Mishnah, on va s'intéresser à une nouvelle forme de crédibilité, c'est que lui-même n'a pas vu le mort, mais qu'il entend les gens raconter qu'il est mort, de manière certaine, d'accord? C'est-à-dire, on raconte quelqu'un, un goy qui veut nous raconter qu'il est mort. Le goy, on ne le croit pas pour permettre la femme. On peut croire, on va croire toutes sortes de gens qui sont impropres au témoignage, mais le goy, on ne le croit pas pour le témoignage lui. Malgré tout, alors on va voir que par exemple, dans certaines situations, on va quand même pouvoir se fonder sur les paroles du goy. Et on commence d'abord avec un nouveau premier sujet. Même si elle a entendu juste des femmes qui racontent que telle personne, il est mort, ça suffit. C'est-à-dire qu'en fait, on parle que moi, j'étais en Amérique, avec là-bas où on était censé avoir, où il devait y avoir normalement Réhouven, le mari de Rachel, qui était là-bas. Moi, j'ai pas vu Réhouven mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je passais à côté d'un café et j'ai entendu les femmes qui m'ont dit « Ah, t'as vu comment il est mort, Réhouven, voilà. » Donc, j'ai entendu des femmes qui parlaient que Réhouven, il est mort. Je peux revenir en Israël et je raconte que en Amérique, les gens disent que Réhouven, il est mort. Et on se fonde sur ça. D'accord ? À la différence du cas où j'ai vu Réhouven tomber dans l'eau, mais je ne l'ai pas vu ressortir, peut-être que finalement il est sorti toujours après. Là, c'est mieux d'un autre côté, parce que là, on parle qu'il y a des gens qui racontent, sans aucune intention spéciale, mais en tout cas, ils racontent que Réhouven est mort, donc on peut sonder sur ça. De même, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, « Afilo shama minatinokot omrim, are anu olchim lispod velikbor et ishploni. » Même s'il a entendu des tinokot, c'est-à-dire des petits-enfants qui nous disent que nous... Alors, nous allons, en réalité, il faut que ce soit interprété, nous revenons du Hesped des Oraisons Funèbres et de l'enterrement de Ishploni, de Réhouven Tartampion, et Ben Shu Mitkaven ou Ben Shen Mitkaven, et que l'enfant, il a une intention de témoigner ou qu'il n'ait pas d'intention de témoigner, c'est de raconter réellement ou sans raconter. C'est-à-dire qu'en fait, de nouveau, je suis mort en Amérique, j'entends plus des femmes parler, mais j'entends des enfants. Ah là, il y en a un qui raconte à l'autre, t'as raté quand on a enterré aujourd'hui Réhouven. On était à son enterrement. Le Barthénois nous rapporte quelques précisions aussi importantes. C'est qu'ils ne disent pas juste qu'ils étaient à l'enterrement de Réhouven. Ils disent qu'ils étaient à l'enterrement de Réhouven et là-bas il y avait. Ils rentrent dans les détails qui nous racontent qu'il y a la mise en scène. À exclure en fait quelque chose d'original, c'est que les enfants, ça peut leur arriver de vouloir prendre un cafard ou une sauterelle plutôt, les deux. Mais le dire que ça c'est Réhouven et qu'après quand Réhouven il meurt il faut l'enterrer, donc il risque de raconter à son copain qu'ils ont enterré Réhouven ce matin. Et moi j'entends, je me dis quoi, Réhouven il est mort, et en fait il parle du cafard qui s'appelait Réhouven. Donc pour exclure cette éventualité, il faut être sûr, il faut les entendre parler un petit peu plus concrètement et nous raconter que ouais, il y avait tant de personnes qui se sont... il y avait la Levaya de Réhouven à là-bas, que ça s'est sorti depuis... de Shamgar, il y avait des rabbanim qui ont fait des espédimes, là. Dès qu'ils commencent à parler comme ça, alors c'est sûr que c'est un vrai enterrement de Réhouven. Et donc, de nouveau, moi j'entends cette histoire en Amérique, je reviens en Israël, je veux voir Rachel et je lui dis, tu peux te remarier parce que son mari il est mort.
Ok? Et la Mishnah nous précise ici que les enfants avaient l'intention de raconter pour un certain intérêt, ou qu'ils parlaient de manière très bénigne, juste pour raconter un petit peu un qui voulait raconter à l'autre, sans aucune intention de raconter qu'il était mort. Et sur ça, on va voir qu'il y a en réalité une petite différence dans une autre configuration. C'est Rabbi Yehuda ben Bava, mais Rabbi Yehuda ben Bava, il enseigne. Bé Israël, si c'est un juif, alors, Hachiyé Mitkaven, il faut nécessairement qu'il ait l'intention, c'est-à-dire qu'il soit conscient qu'on va se fonder sur sa parole. Je continue d'abord, après j'en explique tout en même temps. Au Bagoy, et chez un Goy, c'est tout le contraire. Im Hayam Mitkaven, en edoto edot. S'il avait une intention, alors là, son témoignage n'est pas un témoignage. Il me dit en fait, Rabbi Yehuda ben Bava, quelque chose de comme ça. Moi, je suis de nouveau en Amérique. Il doit y avoir normalement Reuven, le mari d'Achel, qui est ici. Si un juif, il me raconte, là, et en fait, il relève sur toute la Mishnah, je pense, que. Un petit problème de dire ça, non, ça se passe bien. Rabbi Yehuda ben Bava, il me dit comme ça, il me dit, donc je suis en Amérique, et j'entends des juifs parler que Reuven, il est mort. Eh bien, il faut nécessairement, je ne peux me fonder sur leurs paroles pour ensuite prendre leurs paroles et revenir en salle et raconter que Reuven est mort, que s'ils avaient réellement l'intention de me raconter que Reuven est mort. C'est en comprenant l'ampleur de ce que ça voulait dire. Mais si c'est entre deux, un qui a raconté à son copain, tu te rappelles pas, tu as prêté 100 shekels quand on est allé à l'évaïa de Reuven, alors il n'y a aucune intention de raconter que Reuven est mort, ça ne fait plus office de connaissances suffisamment bien fondées pour pouvoir aller témoigner. Ça, c'est pour les juifs. Et pour les goy, c'est tout le contraire. Pour les goy, on va croire quand même le goy, mais dans une autre configuration. C'est justement quand il ne va pas nous raconter que Reuven est mort, avec aucune intention de permettre la femme, mais qu'il va nous raconter de manière la plus. Chez le goy, ça fonctionne tout le contraire. Ça s'appelle Messiah les Fitoumo dans la Lacha. Dans plein de halachot, on se fonde justement sur. On peut parfois, mais dans la banane, se fonder sur un goy qui nous raconte quelque chose, mais à condition qu'il n'ait aucune intention de vouloir ni permettre une femme, ni pas permettre. Il nous raconte un fait bénin, sans aucune intention. Là, on peut, chez le goy, on peut justement se fonder sur sa parole. Par contre, si le goy, il vient avec intention de témoigner, comme ça, on va pouvoir permettre la femme, là, on lui dit, oh là là, là, tu rentres dans un domaine, une femme mariée, ça n'a pas la même gravité chez toi comme chez moi, tu ne peux pas témoigner, on ne croit pas. Mais s'il raconte, mais si Achle Fitoumo, c'est un domaine, c'est un principe qu'on rencontre très fréquemment dans l'Acha, dans les crottes à Arovet, par exemple. Est-ce qu'on a mélangé, du lait qui s'est renversé dans un plat de viande. Il y a des situations où on ne va pas pouvoir se fonder sur un goy qui va goûter et nous dire qu'il y a plusieurs cas, mais en tout cas, on va préférer dans certaines circonstances que justement, si un goy il va goûter et nous dire « Ah, on ne sent pas tellement le goût d'ici », alors là, il va pouvoir nous raconter qu'il n'y a pas le goût. Mais si on va lui demander, dis-moi, il y a un goût de lait mélangé dans la viande, dès qu'on lui demande son avis, il essaie de faire le beau et raconter un petit peu, à perdre un peu son objectivité, pour essayer de deviner qu'est-ce qu'on va entendre, pour nous faire entendre ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, peu importe, on préfère que le goy il parle juste, sans intention, alors là on va le croire. C'est ce que la Mishnah me dit. Pour un Israël, pour que je me fonde sur les rumeurs, les ragots que Reuven est mort, il faut d'abord qu'ils aient l'intention, qu'ils comprennent la portée de leurs paroles. Qu'ils comprennent que moi je suis là et que je vais repartir dans pas longtemps, je vais quitter l'Amérique pour revenir en Israël et que je vais utiliser leurs paroles pour me fonder. Chez le goy, c'est bien que le contraire. C'est s'il raconte ça de manière bénigne, alors là, dans ce cas-là, je vais pouvoir me fonder sur ce qu'il a dit. Mais s'il va, comme un fait divers, mais s'il va commencer à vouloir me dire comme ça, Rachel, elle va pouvoir se remarier, alors là, on lui dit, d'accord, on ne se fonde pas sur ses paroles. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Salam.